L'actualité à la une. Ce matin, les éleveurs du sanglier font la promotion de leurs produits. La foire du porc et du dindon expose depuis hier près de 200 porcs et 500 dindons aux yeux des visiteurs. Le Premier ministre était sur place. Et puis, la santé avec la journée mondiale du diabète célébrée avec la remise d'un centre de santé dans la commune de Kokologo, au moment où la CARFO et la CNSS lancent l'opération de visite médicale demain pour les pensionnés. Le ministre de la Fonction publique et de la Sécurité sociale est notre invité. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Gango. Bienvenue à tous. Bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Les populations du Sanguié découvrent le potentiel de la région. Sur place, vous verrez des porcs, des dindons. C'est la cinquième fois que l'événement se tient et comme chaque année, les meilleurs ont été récompensés. Yolande Lompour. Rendez-vous majeur de la production avicole et porcine, cette cinquième édition de la foire du dindon et du porc de Réo a regroupé sur un même site des producteurs et des éleveurs de différentes communes de la province du Sanguié. Sur l'aire d'exposition, ce sont près de 200 têtes de porc et 500 têtes de dindon prêts à être consommées qui ont été proposées aux potentiels acheteurs. Organisée autour du thème « Élevage et bien-être social », cette foire aura permis d'interpeller les jeunes à suivre l'exemple de ces éleveurs, car l'élevage comme source d'auto-emploi semble être une solution adéquate au chômage, même s'il reste confronté à de nombreuses difficultés. Bon, la difficulté, essentiellement, c'est toujours les questions de formation, les questions la réalisation des infrastructures. 40 candidats ont été évalués en fonction des critères retenus par le jury et comme à chaque édition, les 5 premiers de chaque filière ont été primés et des prix d'encouragement attribués aux candidats malheureux. Sidoni Kanyala et Yakuba Badolo, respectivement premiers en matière d'élevage du porc et du dindon, repartent chacun avec un prix d'une valeur de 230 500 francs CFA. J'ai toujours obtenu le premier prix. Donc cette année encore, j'ai obtenu le premier prix, je suis d'abord très content. Mais le nombre de cheptels que j'ai amené, aujourd'hui je suis à 116, ce qui est sur place. Mais à la maison, si je vais totaliser, j'ai à peu près un nombre de 200 têtes. Et mon objectif aujourd'hui, que mes camarades, que tout Burkinabé, qui a pris pied, venir à cette fois-là. Qu'il puisse prendre l'expérience, même si on n'élève pas le dindon chez lui, qu'il copie l'exemple du sanglier pour vulgariser cette volaille-là. J'interpelle, par exemple, l'État burkinabé vraiment d'encourager ceux qui mènent l'activité. Les efforts consentis par la députée Rosalie Bassolet pour le développement de l'élevage à travers la diffusion des porcs de race améliorée au niveau de la province lui ont valu une mention spéciale. Afin de booster l'élevage dans la région du centre-ouest, le centre d'élevage et de formation EA Marie, dont le but est de contribuer au développement de l'élevage, vient de se doter d'un secrétariat permanent qui se chargera dorénavant de l'organisation pratique de la foire. À noter que le Premier ministre était à la foire donc hier, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, l'église de Thomas a 100 ans. C'est en 1913 que le premier père blanc est arrivé au pays saint. Depuis, il y a eu des milliers de baptisés et une grande contribution au développement. Le Premier ministre était au centenaire. Fousseni Kindo, reportage. 100 ans à l'écoute de l'évangile en pays saint. Le Premier ministre a voulu donc être témoin de la célébration de ce centenaire. C'est à Biba en 1913, un village situé près de Thomas, que les premiers missionnaires ont déposé leurs valises. Dans la persévérance et l'abnégation, ils sont arrivés à conquérir les cœurs des habitants qui ont vite fait d'embrasser la foi. Nous prions Dieu pour suivre l'exemple des premiers missionnaires qui ont beaucoup travaillé. Ils ont été maltraités, emprisonnés pour la cause de Christ, mais sont restés persévérants. Ils exhortent les chrétiens à vivre la foi chrétienne dans la vérité. En 100 ans d'évangélisation, l'Église a pu s'aimer l'amour dans les cœurs et susciter la solidarité humaine.
Des fidèles comme Alfred Diban-Kizerbo, dont l'Église souhaite aujourd'hui la béatification, mais aussi de nombreux missionnaires se sont sacrifiés pour l'évangélisation, mais surtout pour le développement de la région. Car, disent-ils, l'Évangile est holistique. Si nous avons de la difficulté à Dieu, que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair, nous pouvons au moins le féliciter, élever très haut les bras de son Fils Jésus-Christ à travers les agents pastoraux, prêtres, religieux, religieuses, catéchistes, ainsi que les vaillants laïcs responsables de communautés qui se sont investis et s'investissent encore aujourd'hui pour l'annonce de la bonne nouvelle sur la paroisse de Thomas. Ce sont donc ces efforts de développement du Burkina Faso à partir de Thomas que le chef du gouvernement burkinabé est venu saluer. Un centenaire, ce n'est pas quelque chose de petit, mais saisir l'occasion pour reconnaître le rôle que l'Église a joué dans cette partie de notre pays, dans le domaine de la formation particulièrement, de nombreuses écoles, des établissements secondaires, des centres de formation technique, également dans le domaine de la santé. Donc 100 ans d'évangélisation, mais c'est aussi 100 ans de développement en pays. Le centenaire de l'église de Thomas est commémoré au moment où ses fidèles viennent d'enterrer un de ses pères évêques, en l'occurrence Mgr Zéphirin Toé. Un vibrant hommage lui a été rendu à l'occasion. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Et puis, l'église est aussi la santé. Et hier, le Burkina a célébré la journée mondiale du diabète. La commune de Kokologo a saisi l'occasion pour inaugurer un centre médical. C'est le fruit d'une collaboration entre la FIBUMBU et une ONG suisse. Evelyne Dabiré. La particularité de ce centre médical est qu'il est destiné principalement au dépistage du diabète, au suivi et aux soins des maladies liées au diabète. Son plateau technique fourni par l'entraide missionnaire de Suisse est approprié et un agent formé en diabétologie dans ce pays partenaire vont combler sans doute un besoin de santé. L'inauguration justement de ce centre médical vient renforcer les capacités de prise en charge des malades dans la commune de Kokologo, mais surtout vient ajouter un plus, surtout en rapport avec la prise en charge du diabète, comme vous le savez, qui est une maladie extrêmement importante auquel nous devons faire des efforts complémentaires par rapport à ça. Donc ça vient ajouter effectivement des compétences en plus de ce qui est déjà existant comme infrastructure dans la commune. Je crois que c'est un bel exemple de solidarité, de fraternité et surtout d'amitié. Et à l'endroit de la population de Kokologo et ses environnants, je voudrais sincèrement les inviter à fréquenter assidûment ce centre parce que nous demeurons convaincus qu'aujourd'hui, quand on parle de diabète, la meilleure façon de lutter contre la diabète reste le dépistage. Le haut commissaire de la province salue la coopération entre l'association des diabétiques de Kokologo, la FIBUMBU, et l'entraide missionnaire de Suisse, une coopération décentralisée qui contribuera à l'atteinte des objectifs santé pour tous d'ici à l'an 2020. Ce centre va dispenser des soins continus de jour comme de nuit. Et les premiers patients ont pris d'assaut ce centre quelques heures avant la coupure du ruban pour un dépistage gratuit. En ce jour commémoratif de la journée du diabète, ce joyau a été remis à l'association La FIBUMBU, chargée d'assurer son bon fonctionnement. Cet investissement est estimé à plus de 10 millions de francs CFA selon Gabrielle Billière, présidente de l'entraide missionnaire de Bôle en Suisse. Cette association ambitieuse compte ériger en plus de ce centre et avec l'appui de partenaires, une maternité, un laboratoire, un dépôt pharmaceutique et une salle d'hospitalisation. Je reçois pour vous le ministre Vincent Zakané. Il est le ministre de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale. Il est là pour nous parler de l'opération de visite médicale gratuite pour les pensionnés de la CNSS et de la Carrefour. Rebonjour, monsieur le ministre. Rebonjour, monsieur Gongo. D'abord, pourquoi une telle opération? Permettez-moi avant tout de remercier la RTB pour cette occasion qui nous est donnée de pouvoir parler de l'opération de visite médicale gratuite pour les retraités de la CNSS et de la Carrefour, dont le lancement aura lieu demain sous le haut patronage de Mme Chantal Compaoré,
épouse du chef de l'État. Alors, comme vous le savez, les personnes âgées, de manière générale, et particulièrement les retraités, souffrent de pathologies et d'affections particulières et ont des besoins particuliers en matière de santé. Lorsque leur santé n'est pas suivie, on peut avoir souvent des surprises. C'est que malheureusement, dans notre pays, la prévention en matière de santé n'est pas assurée par un système d'assurance maladie, de telle sorte qu'aujourd'hui, chaque retraité se prend en charge. C'est pour faire face à cette situation que les associations de retraités de notre pays ont sollicité le concours de la CNSS et de la CARFO pour organiser des visites médicales gratuites. Donc ces deux institutions, depuis quelques années, ont accepté d'accompagner les retraités dans ce sens-là. Il s'agit, à travers ces opérations, à la fois de prévenir certaines pathologies et surtout d'assurer un système de surveillance de santé des personnes âgées pour éviter les surprises et de contribuer à l'amélioration de leur état de santé, notamment par la détection précoce de maladies, de manière à en faciliter la prise en charge. C'est donc la sixième fois que la CNSS est engagée auprès de ses pensionnés dans ce sens. Pour la CARFO, c'est la quatrième fois cette année. Et depuis 2011, les deux institutions se sont mises ensemble pour organiser une telle opération. Donc, elle concerne l'ensemble des pensionnés de la CARFO et de la CNSS. Alors, à partir de demain, 16 décembre, comment concrètement cela va se passer? En quoi ça va consister exactement? La visite médicale consiste principalement en un bilan de santé qui est réalisé par les médecins professionnels et les médecins spécialistes. Elle consiste aussi en des examens de laboratoire et en des dépistages précoces, notamment de cancer chez les pensionnées femmes. Par la suite, lorsqu'il y a la détection de maladies, il y a un petit accompagnement, au moins pour faire face aux affections les plus courantes, de manière à ce que les retraités concernés puissent se prendre en charge. Alors, vous avez dit tout à l'heure, il y a un petit accompagnement. Ça consiste à quoi exactement? Est-ce que les pathologies qui sont détectées sont prises en charge aussi de la même manière qu'on prend en charge, par exemple, les différents examens? Malheureusement, il s'agit surtout de la visite. Et une fois que des affections sont détectées, il n'y a qu'un petit accompagnement qui n'est qu'un point de départ. L'accompagnement consiste à la mise à disposition de produits pharmaceutiques de première nécessité. Mais évidemment, lorsqu'il s'agit de pathologies graves, malheureusement, il n'y a pas pour le moment d'accompagnement. Nous espérons évidemment qu'avec la mise en place du système d'assurance maladie universelle, nous pourrons enfin prendre en charge spécifiquement les personnes âgées de manière générale et tout particulièrement les retraités de la CARFO et de la CNSS. Et puisque vous avez parlé de l'assurance maladie, à quel niveau vous en êtes actuellement? Après les concertations régionales et sectorielles qui ont eu lieu entre le mois d'avril et le mois d'août dernier, nous avons préparé, avec la participation de tous les acteurs, l'ensemble des textes fondateurs de ce système d'assurance maladie. Un atelier a eu lieu au mois de septembre dernier qui a permis de valider au plan national deux avant-projets de loi. Un avant-projet de loi sur le régime d'assurance maladie universelle et un autre sur la mutualité sociale au Burkina, puisque notre système consiste à s'appuyer sur le développement des mutuelles pour atteindre l'ensemble de la population et faire étendre les bénéfices de la prise en charge des soins de santé à l'ensemble de la population. À l'heure actuelle, le dossier est bouclé. Le COTEVAL, le comité technique de vérification des avant-projets de loi, a statué sur la question. Le conseil de cabinet a examiné le dossier et s'il plaît à Dieu, au mois de janvier, le gouvernement va pouvoir prendre les décisions utiles. À l'échéance 2015, j'ai bon espoir que le système de l'assurance maladie universelle va commencer à se mettre en route dans notre pays. En tout cas, en attendant, c'est la CARFO et la CNSS qui s'occupent des retraités. Dites-nous, combien de médecins seront mobilisés pour cette opération? À l'occasion de cette opération qui va se dérouler sur l'ensemble du territoire national, il y a tout un dispositif institutionnel mis en place. Nous avons prévu la mobilisation de 130 médecins sur l'ensemble du territoire national et de 200 personnels paramédicaux.
qui vont accompagner les retraités à cette occasion. Bien entendu, les directions régionales de la CARFOR, de la CNSS seront mobilisées et travailleront de concert avec l'ensemble des directions régionales de la santé, avec l'accompagnement des directions régionales de l'action sociale. Donc il s'agit d'une opération conjointe organisée par la CARFOR et la CNSS, mais avec l'accompagnement de 3 départements ministériels, le ministère en charge de la Sécurité sociale, le ministère de la Santé et le ministère de l'Action sociale. Est-ce que vous avez des sites où les pensionnés doivent se rendre ou bien concrètement à travers le territoire, comment ça s'organise ? Des sites ont été identifiés sur l'ensemble du territoire national qui vont accueillir les retraités qui désirent suivre ces visites médicales. Il s'agit essentiellement des offices de santé des travailleurs, principalement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, des SMI, des santé maternelle et infantile, mises en place dans 4 directions régionales par la CNSS, mais aussi de l'ensemble des CMA de notre pays. Il y a des laboratoires publics dans les hôpitaux, mais aussi des laboratoires privés avec lesquels des accords ont été conclus. Donc il s'agit d'un ensemble de sites qui ont été identifiés, dont la liste a été communiquée aux associations des retraités de notre pays. La liste va être communiquée demain à l'occasion de la cérémonie de lancement. Alors, Monsieur le ministre, vous dites que c'est la 6e fois, par exemple, que la Caisse s'est engagée. Depuis 2011, il y a l'opération conjointe. Mais pourquoi ne pas, par exemple, construire un centre de santé pour retraités au lieu de ces opérations spéciales un peu temporelles? Nous y réfléchissons, il faut le dire. Tout d'abord, il faut dire et relever que le gouvernement a pour ambition d'étendre progressivement les bénéfices de la sécurité sociale. D'abord à toutes les 4 branches de la sécurité sociale. Pour le moment, nous n'en avons que 3, notamment les prestations familiales, les maladies professionnelles et les accidents de travail et évidemment la retraite. Nous n'avons pas pour le moment la 4e branche qui concerne l'assurance maladie. C'est une de nos ambitions. Mais il s'agit aussi de l'étendre progressivement à l'ensemble de la population, ce qui constitue une ambition très importante à réaliser. Mais dans l'esprit de prendre en charge particulièrement les soins de santé des personnes âgées en général et des retraités en particulier, nous réfléchissons au sein du ministère et particulièrement au sein de la CARFOR et de la CNSS à l'idée de mettre en place des centres gériatriques, c'est-à-dire des centres spécialisés dans la prise en charge médicale des personnes âgées, avec des pathologies particulières et des médecins spécialisés dans ce domaine. Cette réflexion se mène conjointement avec le ministère en charge de la Santé. Donc il s'agit véritablement d'une ambition visant à prendre spécifiquement en compte les soins de santé des personnes âgées. Alors enfin, la cérémonie de demain, c'est où et quelles seront les principales articulations? La cérémonie aura lieu à la place Nabakom, c'est-à-dire à la place de la gare, devant la direction régionale de Ouagadougou de la CNSS. Elle aura lieu à partir de 9h. Elle réunira évidemment principalement les retraités, mais aussi les partenaires sociaux que sont le patronat et les organisations syndicales, les représentants des départements ministériels du gouvernement, mais également un certain nombre de personnes qui les accompagnent, notamment les organisations de la société civile. La cérémonie va consister principalement en des échanges de messages, notamment le message de la marraine du jour, Madame Chantal Compaoré, qui s'est engagée dès le début à accompagner cette opération. Mais également, à la suite de cette opération, il y aura une démonstration de visite qui va consister dans le lancement officiel de l'opération. Par la suite, des concertations seront menées avec les organisations des retraités pour indiquer avec précision la durée de l'opération ainsi que les sites sur lesquels se dérouleront les différentes visites. Merci, Monsieur le ministre. Restez avec nous pour la suite de ce journal. Le mariage précoce et forcé persiste encore dans la région du Centre-Nord. L'association Pouxada sensibilise. En 3 jours, entre crosses populaires et conférences publiques, les membres ont parlé à plusieurs personnes. Leur ambition, réduire le phénomène. Explication, c'est Sylvester.
Une campagne d'information et de sensibilisation, c'est l'arme choisie par l'association d'appui et de veille pour Seda Adeb pour mener la lutte contre les mariages précoces et les mariages forcés à Kaya, ainsi qu'à travers la région du Centre-Nord. Nous travaillons sur la problématique du mariage précoce et forcé dans la région du Centre-Nord depuis longtemps. Et nous savons que c'est une réalité aujourd'hui. Et cette réalité porte atteinte à l'épanouissement des jeunes filles. Et nous avons profité de la journée internationale d'élimination de la violence à l'égard des femmes pour joindre notre voix à la communauté nationale et internationale. Célébrer cette journée à 72 heures à Kaya pour contribuer à la sensibilisation. Trois jours durant, l'association a organisé une série d'activités pour toucher le maximum de personnes. Au-delà des messages adressés aux populations, lors de la cérémonie de lancement de la campagne, des conférences publiques à l'intention des élèves, de même que des rencontres avec les responsables coutumiers et religieux de la région, ont été organisées. Le tout couronné par un cross populaire à travers les artères de la capitale de la région du Centre-Nord. Avec l'appui des partenaires, nous allons pouvoir les accompagner, les aider, les sensibiliser et faire un plaidoyer aussi pour les coutumiers, les religieux, les leaders d'opinion et les femmes elles-mêmes, elles n'ont qu'à prendre leur responsabilité. C'est depuis 1995 que l'association d'appui et de veille pour Seda mène des actions de sensibilisation et de plaidoyer sur les mariages précoces et forcés de la jeune fille. Ces zones d'intervention sont les provinces du Kembe, du Kadiogo, du Yatenga, de l'Ubutenga et bien sûr du Salmatenga. De son côté, l'association Burkina Nouveau est désormais représentée dans les arrondissements 9 et 2 de Ouagadougou. Le mouvement du colonel Yacouba Ouédraogo insiste sur la paix et la cohésion sociale. Claudine Bikaba. À l'image de ce cheval docile, calme et paisible, qui incarne des valeurs nobles, l'association Burkina Nouveau veut faire de son cheval de bataille la cohésion sociale et la paix au pays des hommes intègres. Après les représentations du mouvement dans les 13 régions du Burkina, en France et en Côte d'Ivoire, c'est le tour des arrondissements numéro 9 et numéro 2 de Ouagadougou de voir installer officiellement leurs bureaux respectifs comptant 19 et 36 membres. Ces cérémonies placées sous le thème « Paix et cohésion sociale en proie, quelle stratégie pour un futur sans dommages » ont réuni les coutumiers, les religieux et les populations sorties nombreuses. C'est suite aux événements de 2011 que nous avons créé cette association pour anticiper sur beaucoup de choses. Vous savez que lorsque nous voyons ce qui se passe dans les pays et voisins, nous pensons que nous devons anticiper sur cela. Parce qu'au Burkina Faso, nous avons la chance que dans une même concession, vous avez le musulman, vous avez le chrétien, vous avez le protestant. Donc c'est un acquis que nous devons entretenir. Je pense que nous interpellons les uns les autres pour leur dire qu'au-delà de nos divergences, le Burkina Faso est nous tous. L'association Burkina Nouveau est une association apolitique, laïque et à but non lucratif. Elle veut anticiper en prenant les valeurs de paix pour éviter au pays de vivre des situations douloureuses de guerre que vivent certains de nos pays voisins en éloignant le spectre de la guerre au Burkina. Le président de l'association se dit satisfait de la mobilisation tandis que le représentant des coutumiers, lui, apprécie l'initiative. Il faut vraiment féliciter déjà l'arrondissement numéro 2 pour cette grande mobilisation. Et comme vous l'avez vu depuis ce matin, au niveau de l'arrondissement 9, il y a ici une grande mobilisation. Et je suis vraiment satisfait de voir que la population veut vraiment la paix. Et je pense que nous sommes dans le même élan, nous sommes dans la même vision. En tant que chef coutumier traditionnel, c'est d'abord un devoir pour nous de soutenir et d'accompagner toute action qui vise le développement, la paix et puis la cohésion sociale. Dans la juridiction coutumière où nous résidons ou dans la localité où nous résidons. Un hommage a été rendu au chef de l'État pour avoir dirigé le pays pendant plus de 20 ans dans la paix et une minute de silence observée à la mémoire de Nelson Mandela, homme de paix. Par ailleurs, le président de l'association et ministre des Sports et des Loisirs a mis son domaine à contribution en remettant des vélos aux meilleurs cyclistes qui ont remporté une course organisée à l'occasion, ainsi que la pétanque et le maracana, dont les meilleurs ont reçu des trophées et des sommes d'argent.
Il y a eu également le lancement des colombes pour un souffle nouveau qui s'annonce au Burkina et la prestation d'artistes nationaux que sont Tinès et Kisso Coimbré et de l'artiste vital de la Côte d'Ivoire. Et puisqu'il est question de paix et de cohésion sociale, c'est l'objectif de la CENAC. Les organisateurs de la Semaine nationale de la citoyenneté font le bilan de l'édition 2013. Face aux journalistes, ils disent être satisfaits du déroulement des activités. Isaïe Parkouda. La 10e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté CENAC a tenu ses promesses. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse animée par le secrétaire général du ministère des Droits humains et de la promotion civique. Des théâtres forums aux jeux radiophoniques, en passant par les conférences publiques, les jeunes ont répondu présents à l'appel. Toutes les activités qui étaient inscrites dans le cadre donc de la sensibilisation au cours de la Semaine nationale de la citoyenneté 2013, que ce soit les conférences qui ont été organisées, que ce soit les activités culturelles et sportives, toutes les activités qui avaient été prévues ont été réalisées avec grande satisfaction. Tout compte fait, des défis majeurs restent à relever. Il s'agit entre autres d'assurer la pleine éducation à l'ensemble de la population, des valeurs morales pour une société de paix. Tout ne peut pas être rose puisque toute organisation humaine ne peut justement aboutir à 100%. Mais en tout cas, à en croire ce qui est revenu comme étant des éléments d'amélioration possible, c'est comme je le dis, c'est à travers les différentes recommandations que nous avons eues, notamment le renforcement de nos actions à l'endroit de certains groupes cibles. Le secrétaire général rappelle que tous les acteurs doivent s'impliquer davantage dans ce processus d'éducation. Ainsi, dans les familles comme dans les établissements, il faut encourager l'enseignement des valeurs civiques et promouvoir le respect des lois de la République. Les cadres du ministère de l'Économie et des Finances, eux, font le bilan de l'année 2013. Ils veulent échanger sur les acquis et les insuffisances et surtout penser l'année 2014. Yolande Lompo. Cette deuxième session de l'année 2013 du Conseil d'administration du secteur ministériel de l'économie et des finances est consacrée à l'examen du bilan d'activité de l'année qui s'achève et à la définition des orientations des actions du secteur pour l'année 2014. Et pour profiter pleinement des potentialités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication, les cadres de ce ministère et leurs partenaires techniques et financiers vont mettre à profit ce CACEM pour mettre à jour leurs méthodes de communication. Cette année, nous avons choisi comme thème la communication. Communication aussi bien interne qu'externe du ministère. C'est vrai que déjà, notre département a fait beaucoup dans ce domaine, mais quand on fait le point, les différences sont énormes parce que en la matière, comme on dit, il y a toujours vraiment un besoin de communiquer parce que les diffusions sont toujours importantes et il faut toujours être à l'écoute. Alors, communication interne d'abord, parce que nous sommes un ministère à gros effectifs, un ministère très concentré et si nous voulons la cohésion sociale, il faut qu'il y ait une bonne communication interne. Communication externe aussi parce que nous sommes un ministère qui est souvent, voilà, qui est un ministère des services publics, mais aussi parfois qui est considéré comme étant un ministère trop technique. Il faut qu'on puisse avoir des mécanismes de communication simples et à la portée des citoyens lambda parce que ce que nous faisons, ça a une influence sur leur vie sociale, leur vie de tous les jours. Convaincu que la communication est essentielle pour consolider sa posture de leader en matière de gestion des finances publiques dans la sous-région, le département de Lucien Marie Noël Bembamba s'engage à renforcer et à améliorer son système d'information et de communication afin d'être un ministère où il y a la transparence, l'esprit d'équipe et l'obligation de rendre compte. Un nouveau collège a vu le jour à Yelbouga dans la Sicile, au centre-ouest. C'est un collège d'enseignement général appelé Jean-Robert Nignan. Karim Patrick Namano. Les écoliers de Yelbouga dans la région du centre-ouest ne vont plus parcourir de longues distances pour leurs études secondaires. Le village vient de recevoir un collège d'enseignement général muni de toutes les commodités nécessaires. La nouvelle infrastructure est composée de 4 salles de classe, de toilettes et d'une salle pour l'administration. Batouani Jean-Robert Nignan, aujourd'hui décédé, est le donateur de ce nouveau joyau. Pour honorer sa mémoire, l'école porte désormais son nom,
une fierté pour toute la famille. Les autorités régionales en charge de l'éducation se sont réjouies de la réalisation. Elles ont par ailleurs souhaité que ce geste inspire aussi les autres fils et filles de Yelbouga. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition.